Bonjour à tous, et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais bon, j'avais expliqué pourquoi. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le jeu Little Nightmare qui est sorti du coup aujourd'hui. Donc, je me suis empressé d'aller l'acheter et de le tester directement sur PS4, bien sûr. Donc, on est parti. Nouvelle partie directe. On enquille. Alors, le jeu, a priori, est pas super long. J'ai été voir sur jeuxvideo.com. Apparemment en 4 heures il est torché, donc on va voir. Hein. Bon après le prix est pas excessif, hein, il est à 20 €, donc et il a pris que 2,6 Go je crois de téléchargement, donc c'est vraiment pas énorme. Alors qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. On a fait un cauchemar. Alors, on dort dans une valise déjà, c'est pas banal. Ok, donc les contrôles, ouais. Alors, l'ambiance, ça me fait un peu penser à Inside. Ok, ça c'est pour sauter. Carré, ça doit être pour marcher doucement, non, je sais pas. D'accord. Ça c'est pour s'accroupir. Marcher doucement. D'accord. Donc je repère un peu les touches hein, parce que c'est pas quand on sera dans la merde qu'il faudra y poncer. Donc c'est parti. Alors j'espère que je rate rien. Ok. Alors le jeu est quand même super sombre, j'espère que vous arrivez à voir. Pourtant j'ai mis les graphismes exprès. Non, ouais, absolument. Ah mais attends, mais je suis débile. Bah oui, connard. Excusez-moi. Non mais il y a des fois. Faut pas l'allumer ça. Bah si, voilà. Et ça du coup, t'as bien pouvoir l'ouvrir. Et je... Par contre, ouais, il n'y a pas de tuto pour les commandes. C'est démerde-toi. Il fallait se baisser et appuyer sur le bouton en même temps. Ok. Lumière. Faut pas être claustro. Hein. Voilà, ça c'est calme en fait. Il nous. On apprend. Ah, j'aime pas les grilles comme ça. On prend le temps de. Ouais, je suis con. On prend le temps de découvrir un petit peu et d'avoir la manette en main. D'accord. On va peut-être pouvoir éteindre. Je sais pas comment ça marche ce briquet, s'il faut le réalimenter ou si on a tout le temps du gaz. Ok, donc ça on peut rien en faire. Bon, on va monter les marches. Ah ouais, franchement ça fait vraiment penser à Inside. Alors pour moi là, on est dans un bateau. Enfin ça y ressemble là, franchement quand on voit les portes, les écoutilles, tout ça là, ça fait vraiment penser à un bateau. Pourquoi il a éteint le briquet? Je voulais ouvrir la porte. D'accord, on peut pas faire deux choses à la fois. Moi je voulais ouvrir l'écoutille mais je sais pas, c'est bizarre. Ah, il faut maintenir. Ah bah d'accord, là il y a un truc à faire. Donc, toi tu vas venir avec nous. Putain, mais j'ai trop du mal. Avec ça, je sais pas ce que je dois en faire. Oh, il y a un truc qui a dû passer derrière la fenêtre ou la porte, je sais pas, c'est bizarre. Toi, je te pose là. Alors, a priori, on peut se cacher du coup sous les meubles, si jamais il y a un problème. Alors, attends, il n'y a pas moyen de...
J'ai l'impression que je rate plein de trucs en fait. Parce que pour l'instant, on n'a rien fait à part se promener quoi. Là, dans la gamelle, il n'y a rien. Mais attends. Ça, il n'y a pas moyen de. De le pousser ou je sais pas. Bah non. Et elle. Non. En fait, moi, tu vois, j'aurais voulu prendre la gamelle et la mettre sous le truc de flotte, quoi. Mais comme elle a une force de lâche, eh ben, on peut pas faire grand-chose. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Ah. D'accord. Ah bah tiens, ça c'est gay aussi. Tiens, du PQ ça va t'aider. Me dis pas qu'il va falloir qu'on lui monte dessus. Non, de toute façon on va s'en servir, je pense que ça va être pour voir la porte là-bas. Par contre, c'est. Regarde sur la porte, il y a encore un œil quoi. T'as l'impression que t'es observé exprès de partout. Quoi. Par contre, je fais un peu de la merde. Attends, là, voilà, lâche la chaise. Voilà. Ok. Pourtant, on dirait à moitié de la graisse. D'accord, donc on se promène toujours. Ça c'est un frigo. Petite DSP. En fait, je veux juste que... T'as pas moyen d'ouvrir juste la porte. Ah si, il fallait forcer. Ah, il y a un truc qui vient de se barrer en même temps. D'accord. En fait, faut rester à forcer exprès sur les objets, quoi. Déjà, rien que pour ça, faut faire gaffe. Bon, on continue. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On commence à avoir des trucs un petit peu chelous. Putain, y en a un autre en haut là. Regarde-moi ça là. Là aussi, il y en a un. What the fuck? Putain, cours! Ouais, j'ai pas trop envie de rester là. Avec ces putains de bestioles. Ah bah d'accord. Bon bah voilà, tu vois, déjà on est mort. Ça commence bien. Allez, debout. Ah, si t'oublies de te raccrocher, elle a pas le réflexe, elle est con. Con comme une pelle. Allez, 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 allez. Putain, mais c'est dégueu comme machin. Ok, là, hop. Ah. D'accord. Ah. Là, c'est bon, on doit pouvoir passer. Ouais, nickel. D'accord. C'est trop chaud. Ah putain. Ok. Ah, putain de berk.
Pourquoi elle a poussé dans les mâles? J'ai rien demandé, elle. Putain, y'a des bruits chelous par contre. Ok. Donc là. Aïe. Oh putain, le petit orteil dans la boîte. Ça fait mal. On s'arrête par là. Oh! Heureusement qu'on l'a ce briquet. D'accord. Bon, maintenant faudrait qu'on fasse gaffe où est-ce qu'on met les pieds parce que là, c'était quand même un peu la merde. Hein. Attends, arrête tes conneries. Là. Mais non. Putain, j'espère qu'il faut pas courir. Ah ouais. Ouais mais attends, c'est chaud. Y a pas moyen de le monter plus haut le bordel. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Bah en fait faut mettre un truc en dessous quoi pour bloquer la porte. Il doit y avoir un truc à prendre. Mais là je vais pas pouvoir le prendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Y'a pas un truc qui traîne? Ça je peux pas le prendre. Ah putain, en fait faut sprinter et sprinter c'est carré. Maintenez carré pour sprinter. La blague. Ça y était ça avant, je sais pas du tout. Ah! C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Donc là il y a une porte, enfin il y a une grille toujours. D'accord. Bon. Tant pis. C'est quoi ça? Y a rien là-dessus. Hop là. Bon, pour l'instant ça va, c'est calme, on a eu quelques espèces de sangsues noires bizarres dégueulasses, mais on n'a pas eu de trucs très enfin, méchants. Genre ça. Et en plus on va dans la même direction qu'elle. Alors ça, ça pue. Mais. Ok. Là-bas, on peut allumer. Voilà. Dac. À quoi sert alors cette porte? Chut. Ah, il y a un rat en haut. Ah, mais c'est des chiottes en fait. Oui. Tu ouvres la cuvette et puis là. Alors, ça c'est électrifié. Du coup, je pense qu'il faut couper le jus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends. Ah ah, première énigme. Enfin, ouais. Où est-ce qu'il passe ce câble à la con là? Pas moyen de monter sur les tuyaux là? Non. Ça, on peut pas le bouger. Attends, on va refermer la porte. Il y a la caisse avec les sopalins. Le PQ, pardon. Voilà. Toi, t'arrêtes de bouger. Là. Viens par là, toi.
Là. C'est malin. Attends. Attends, on va recommencer parce que là on a fait de la merde. On va se remettre. Allez. Putain, allez. Putain, mais je suis dessus, faut arrêter là, allez. Alors là, ça sent le truc encore. Ça me fait penser un peu à une Unravel. D'accord. Et merde. Mais putain, récupère le. T'es obligé de rester appuyé sur. Sur les putains de touches, parce que sinon ça marche pas. Alors je sais pas ce que je fais, j'expérimente, mais voilà, tu le prends. Mais quelle connasse! Ah, bah super, on est bugué. Non, c'est bon. Alors je suis en train de faire ça, mais là, en fait je sais absolument pas. Ah bah si, c'est si on veut retourner, si on veut retourner de l'autre côté. Ouais. Ok. Bon. Là, le train. Ah ouais, en fait, faut courir et faire tout ça, quoi. Oh. Voilà. Bon, on arrête les conneries, on va recommencer du coup à faire ce qu'il y a à faire. Allez. Ok, donc là en gros faut vraiment qu'on se mène la rondelle. Ah putain, c'est chaud. Putain, ça va être serré du cul. Ok. D'accord. Donc, allez, on continue. Donc ça, c'était bon. Tout. En fait, t'étais obligé de te faire avoir quasiment quoi.
Attends, j'ai pas envie de passer en dessous ça. Putain, la vache. Waouh! Eh, franchement, ça fait trop penser à Inside. Allez, allez, allez. Non, mais quel sac à merde, attends. Pas que ça sert, mais on l'allume quand même. Ah, mais il y a un petit truc là-dedans. Écoute, tu vas te démerder. Hein. Chacun sa merde, hein, j'ai envie de dire. Non, attends, il y a autre chose à faire. Mais non, mais. T'as, t'es obligé de rester enfoncé sur la touche. Allez. J'ai pas moyen d'aller sauver mon pote là qui est enfermé dans la cage là. Ah, il était même pas enfermé en fait, il me montrait le chemin. Yo! Ça va? Bah, il fuit pas celui-là. Vas-y, suis-moi. Non, me suis pas plutôt. Mais en fait, je. Attends, 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 attends. Bon, bah, je sais pas ce qu'il branle là, lui. Et puis j'ai pas l'impression qu'il puisse me suivre. En fait, ça sert à rien, je remonte par là, faut que je refasse le tour. Alors, ouch, les chevilles. Allez, 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 allez. Bon, c'est bon. Bon là c'est pas le moment d'aller me briquer. Putain, je croyais qu'elle avait pas fermé la porte cette merde. Ça me fait trop penser dans The Mask avec le réveil. Ok, c'est bon, on est passé. Donc là, on peut monter là. Là. Ok. Putain, je me cours. En fait, pour m'accroupir, j'appuie sur rond. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Bon, en tout cas, il fout le seum le bateau là. C'est pas très un environnement extrêmement plaisant pour le citron. Oh, le mal de bide. Bah alors?
Prends un Smecta, ça ira mieux. Bah, il a l'air d'avoir. Bah alors? Ah, c'est parce qu'il a faim. Ou elle, j'en sais rien. Putain, eh, merci. Merci. Lui, ça a pas l'air d'être la grande forme non plus de l'autre côté. Maintenant la corde. Est-ce que c'est juste un aimant de décor? C'est chelou. Quand tu vois ça, t'as envie de t'imposer. Enfin, tu sais pas si c'est du décor ou. Ouais, je sais pas. Bizarre. Ils ont un problème avec leur douche, hein. Faudrait appeler Mario pour l'organisation. D'accord. J'ai envie de la faire tomber, mais ça se trouve. Putain, faut faire quoi? Bon, déjà, on va arrêter ce let's play là pour le premier épisode. Bah, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air sympa, mais j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses. Alors, soit c'est une impression ou alors, bah, non, pas du tout. Ou alors, si. Enfin, bref, j'espère que bah, ça vous fait découvrir un peu le jeu et je vais refaire un épisode que je vais tourner tout de suite maintenant. Voilà, bon, bah, allez, ciao!